Alors? Bonjour les amis, ben voilà. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est mon petit-fils qui me filme. Haroun, il a 10 ans, il est fier de sa mamie. Ben écoutez, je vais vous montrer comment on cuisine des haricots blancs que j'ai fait tremper la veille. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de faire une vidéo. Puis, ben, il va vous falloir un gros oignon, une grosse tomate, du persil et de la coriandre, des épices, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de curcuma, une petite demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel. Si vous voyez que ça manque du sel, vous pouvez en rajouter. Un peu plus d'un demi-verre de l'huile de table et huile d'olive. Bah, si vous voulez, moi j'ai fait 250 g de boulettes de viande. Des boulettes de viande à faire cuire aussi avec les haricots. Si vous voulez en mettre moins, vous pouvez en mettre moins, hein. Et 1 litre d'eau. Voilà. Bismillah, ala barakatillah, on va commencer. Bismillah. Voilà. Donc on met tout. On met tout, oui. Je mets tout. Voilà. Tout ensemble d'un coup. Ah oui, je préfère. Voilà. Tout d'un coup. Moi, je préfère pour les haricots, Il faut aussi des gousses d'ail. les gousses d'ail, je préfère en chemise parce qu'ils ont aussi, ils gardent aussi les mêmes saveurs et tout comme quand les gousses d'ail sont épluchées. Et les épices, je vais tout mettre. Ça sent bon. La cuillère de tomate concentrée, une grosse cuillère de tomate concentrée, je la mettrai 1 quart d'heure avant la cuisson, en même temps que les boulettes et le curcuma. Le cumin, désolé, excusez-moi. Je vais mettre à la fin. Les trois ingrédients là, je vais les mettre à la fin. La tomate concentrée et les boulettes de viande. Je vais mettre le sel. Je vais pas mettre de l'huile maintenant. Je mets après. Et mon litre d'eau. J'espère que j'ai tout dit parce que des fois quand la vie est en direct, je perds mes mots et puis Ouais, c'est bon. bon ben écoutez, je vais vous retrouver tout à l'heure avant la cuisson de 15 à 20 minutes pour les autres ingrédients et à la fin de la cuisson. Voilà. Bon, on se retrouve 1 quart d'heure avant la dernière cuisson parce que le reste des ingrédients, je les mettrai avant la cuisson. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, 1 quart d'heure, 20 minutes avant la fin de la cuisson, je mets mes boulettes de viande, C'est ma trop cuillère de bon. sauce tomate et le cumin et le demi-verre d'huile. Je laisse 1 quart d'heure à mijoter. Je vous montrerai la fin de la cuisson. À bientôt, à tout à l'heure. Ça y est, je vais éteindre le feu. La cuisson est finie. Un Sont quart trop d'heure. bons. J'ai laissé 1 quart d'heure pour la cuisson des boulettes et pour finir hein, avec les boulettes, il faut les laisser cuire un petit quart d'heure. Regardez mes haricots. Voilà. Tu sais ce qu'on mange ce soir? T'adores ça, toi? Ouais. Avec du pain. Voilà. Avec du pain en plus. C'est ça. Ben, je vais faire le pain maison. D'accord? Ok. Ben, je vous dis au revoir et n'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la petite cloche.